Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Oui, Noël arrive à grands pas. Il est temps de faire deux choses. La première, c'est de désigner qui a gagné le NUC i7 16Go de RAM avec 240Go de SSD. Et la deuxième, c'est de vous présenter le nouveau cadeau que le papa barbu psychopathe qui rentre par effraction chez vous va vous ramener. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre et à laisser dans vos commentaires votre participation au concours. Malheureusement, j'ai qu'un seul ordinateur à donner. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui participeraient. J'adorerais pouvoir satisfaire tout le monde, mais j'ai qu'un seul ordinateur. Je suis allé regarder dans les commentaires et le principe, c'était bien sûr de prendre les trois premiers qui avaient le plus grand nombre d'upvotes. Et c'est arrive premier Delph27 qui nous explique son projet avec des Arduino, de l'imprimante 3D, etc., etc. Ça a l'air vachement cool. Qui a 49 upvotes, vient juste derrière avec 36 upvotes Laurent Cobel qui a un projet de stop motion. Et en troisième avec 19 upvotes, c'est l'atelier Vosgien qui fait des chouettes vidéos. Je crois que c'est lui qui avait fait une vidéo sur un début de sofa. C'est toujours difficile d'arriver à séparer les gens. Et après les upvotes, je me suis concentré un peu sur le projet. Et le projet de stop motion a l'air vraiment super intéressant. Et surtout, ils vont avoir un besoin massif d'un ordinateur un tout petit peu puissant. Donc, j'ai décidé d'envoyer mon NUC à Laurent Cobel pour son projet de stop motion. J'espère qu'il en fera une bonne utilisation. Et t'as intérêt à m'envoyer un lien YouTube ou un truc pour me montrer ce que t'as fait. J'espère en tout cas que ce sera vachement utile pour toi. Le précédent Noël des barbus m'a permis aussi de voir à quel point il y avait beaucoup de barbus qui étaient en manque de puissance informatique. J'ai commencé à contacter différents constructeurs et distributeurs. J'ai essayé de contacter LDLC, Dell, Microsoft, etc., etc. En leur expliquant le principe du Noël des barbus et en disant soyez sympa, envoyez-nous quelques ordis, en particulier les ordis qui sont pseudo-reconditionnés ou qui ont des rayures ou des trucs comme ça, qui sont invendables, mais j'adorerais pouvoir les récupérer et les redistribuer à droite à gauche si c'était possible. Si vous connaissez des gens qui bossent dans l'informatique, qui ont des PC à recycler, de lire tous les commentaires m'a permis de voir à quel point j'étais ignorant du fait que plein de gens n'ont pas spécialement un PC récent pour travailler. Et on en vient à notre élément que je vais donner aujourd'hui, enfin que je vais donner la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est une scie à chantourner élément qui est vachement bien, mais que j'utilise peu ou pas du tout. J'ai beaucoup d'autres choses pour scier, et c'est vrai que la scie à chantourner, j'ai peut-être dû l'utiliser deux fois. Donc c'est une scie à chantourner qui est quasiment comme neuve. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir toutes les caractéristiques. Bon, elle est un peu cradoc, un peu de poussière, mais elle est vachement bien. Elle a un attachement sur le côté pour pouvoir mettre inflexible, pour pouvoir faire des trucs un peu comme un Dremel. La problématique, c'est qu'elle doit faire 15-20 kg facile, donc elle partira pas par la poste. Donc il faudra venir le chercher chez moi. Le principe est à peu près le même que pour le Noël des barbus précédent. Vous mettez un commentaire, vous demandez à vos potes et à vos communautés d'upvoter votre commentaire. Je sais que certains ont fait des remarques comme quoi apparemment il y avait des problèmes avec les enregistrements des upvotes. Pour l'instant, c'est le système le plus simple pour moi pour mettre en place ce genre de concours. Je prendrai les trois premiers, j'en choisirai un au pif, à qui je filerai cette scie à chantourner. Il y a bien sûr d'autres éléments que je vais donner dans les prochains jours, mais c'est le principe. Donc, tu as besoin d'une scie à chantourner, j'en ai une à donner, viens la chercher, elle est pour toi, voilà. Donc, bravo à Laurent Cobel, bravo aussi à Delph27 et à l'atelier Vosgien. Malheureusement, j'ai qu'un seul ordinateur à envoyer. Laurent, je t'envoie un petit message et je t'enverrai l'ordinateur, je pense, en début de semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode du Noël des Barbus. Vous inquiétez pas, il y a encore plein de trucs à donner. Et il y a un truc qui va arriver la semaine prochaine
qui va vous casser la fesse gauche, vous allez voir. Tu as des questions, des insultes, tu penses que le système de vote est pourri, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux aussi laisser un commentaire pour essayer de gagner cette merveilleuse scie à champ tourné. Et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Néa, aller dans la description, cliquer sur le lien Utip et aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes super géniaux. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode du Noël du Barbu, du Noël des Barbus. Encore au moins un ou deux trucs à donner, donc accrochez-vous, ça arrive. D'ici là, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.